Cette vidéo est tirée d'un stream sur Twitch. Toutes les vidéos de Borderlands 3 devraient être tirées d'un stream Twitch. Aussi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Twitch en suivant le lien dans la description. Merci à ceux qui étaient présents dans ces streams et merci d'avance à ceux qui viendront au prochain. Je viens de commander de la marchandise de premier choix à des gros bras. Ouais, ouais. Il faut quelqu'un de confiance pour la récupérer. Et j'ai pensé à vous, mais va falloir faire vite. Ce qui est très bizarre en soi, hein, de penser à moi à ce moment précis. Bonjour le temps, bienvenue à l'Autolac nouvelle génération, avec 47% de morts en plus que les 26% annuels. C'est moins que l'année dernière. Pas d'applaudissements, merci. Oh, visez-moi ce bras. Il devait faire de la muscu. Oh, comme moi. Ou pas. Allez. On se magne. Faut finir l'histoire du 2 avant de faire le 3. Si possible, faire l'espèce de DLC qui fait la liaison entre le 2 et le 3 aussi au passage. Parfait. Et là, il y en a avoir des gros à gauche. Hein. Allez. Ce bras devait appartenir à une couturière. Un truc dans le genre. Ça se voit au métatarse. Vos yeux sont menteurs. Aïe. L'illusion vous trouve. M'en fous. Tous. Je vous ai eu. Je vais vous avoir. Oh, bah pourquoi tu fais demi-tour? Allez. Franchement, j'ai cru que ça allait partir en cacahuète. J'en ai oublié un. Ici. Mais non. Ah putain, qu'est-ce que je peux être con. J'oublie toujours. Merci. Oh. Et mourrez tous. Vous les avez presque tous. Remuez-vous. Bah je fais ce que je peux. En plus on m'envoie des messages forcément quand je commence. Allez. Plus vite. Je disparais. Oh. Ah j'ai pas réussi à me... Mais monte, utilise tes mains. Ah non c'est vrai on n'est pas dans le 3. Faudrait des armes électriques pour cette zone. Aïe 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 aïe. Ok, couché. Ils vont pas tarder à perdre leur fraîcheur. Très vite. Mais c'est toi qui est pas frais, arrête. Aïe 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 aïe, je suis loin. Faut que je fasse un demi-tour. Merde, pas le bon siège. Comment je sens le siège? Comment je sens? Putain. Ah, j'en chie. Cassez-vous. Aujourd'hui, j'ai frappé un rôdeur si fort que sa tête est rentrée dans son corps. Fin du chapitre 1. Tout le monde sait que les rôdeurs raffolent des enregistreurs écho. Vous trouverez probablement les autres chapitres de Taggart dans les excréments de rôdeur. Oui, bah écoute, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Il va falloir que je me téléporte rapidement. Allez. Cassez-vous. C'était du rapide. Mettez tout ça dans ma boîte aux lettres et on verra si ce trafiquant est à la hauteur de sa réputation. Je sais pas si je vais avoir le temps. Suspense. Allez. Oh putain, faut pas que je perde le temps comme ça. Allez.
J'ai 11 secondes pour rejoindre sa boîte aux lettres. 5, 4, 3, 2. Ça, ce sont des membres de premier. 2 secondes de la fin. À 2 secondes de la fin. Ok. J'en ai une bonne. Ces bras m'ont coûté un bras. Ouais, bref. Ce qui est sûr, c'est que je vais les vendre une petite fortune. Chasser les rôdeurs, trouver les chapitres. Un de mes anciens copains, du nom de Taggart, fut engagé pour exterminer les rôdeurs. Il tenta aussi, comme c'est touchant, d'écrire le récit de ses aventures dans les Highlands. Trouver les chapitres de son livre et je pourrai m'en approprier les meilleurs passages. Tout le monde y gagnera. Ou presque. Ou presque. Parfait, je vous cherchais. Non ! Oh, c'est dégueulasse ! Le coup du rebond, là. C'est dégueulasse. Pourquoi ça tombe toujours sur moi quand on se fait ce genre de conneries ? Ah ! Le coup du « je rebondis sur l'adversaire ». Alors des fois ça rebondit, des fois ça explose. C'est... Elle était parfaite pour exploser celle-là par exemple, hein, mais non. Quand t'as pas de bol, allez. Ok. Ah ah! Appelez. Oh, j'ai pas le droit à mon petit zéro. Ok. On fait ça vraiment dans la... Dans la pure tradition du shotgun. Hein. On court dessus, on slash. On court dessus, on slash. Mais bon. Au moins on s'en sort. Il a dû sauter quelque part. Tirer 25 000 munitions. Ça y est. Chapitre 2. Jack ne plaisantait pas. Ces rôdeurs sont poilants. J'en ai frappé un dans la gorge avec mon marteau, comme maman m'a appris à le faire. Et il a explosé. Comme ça, explosé. Il a fait un bruit hilarant comme... Ah, enfin, à peu près ça. Je vais faire ma sonnerie de téléphone. Il y a encore des téléphones alors. Ça, ça se pète cela ou pas? Bah voilà. Chapitre 3. Mes gars trouvent que les rôdeurs se plantent pas si bien quand leurs boucliers sont vides. Ils paniquent, ils rugissent pour stimuler leurs congénères, c'est mignon. J'ai vu une énorme rôdeuse qui observait notre camp l'autre jour. J'ai décidé de l'appeler Henri. Ah, bonjour maman. Non, non, je disais que j'avais donné ton nom à une rôdeuse. Explosif. Faites péter les armes. Nope. Chapitre 4. Tout va bien. Henri et ses amis rôdeurs ont décimé mon équipe et volé le cadeau pour la fête des mères que j'avais fait de mes mains. Mais je m'en fous. J'y vais et je compte bien récupérer le cadeau de maman. Jack me soit témoin, ce sera la plus belle fête des mères. De tous les temps. Ico. Parce qu'en fait, si j'arrive à l'électrocuter, c'est un Maliwan en plus, ce qui est génial. Ils vont se relier les uns aux autres. Chapitres. Henri a dévoré mes mains. Elle les a mâchées pour moi et ah non, je suis sur la tête de Jack. Ça la faisait marrer. Maman, je sais plus quoi. Non. Va-t'en, Henri. Non. Henri. Maman! Maman! Maman!
Alors la question c'est de savoir, est-ce que c'est sa maman qui s'appelle Henri qui a été bouffé, ou est-ce que c'est Henri qui a bouffé sa maman? C'était pas clair. Hyperion est fier d'avoir 3000. Doublé. Ainsi il a été dévoré. Mais je suppose qu'il y a une morale à cette histoire. J'imagine aussi que je vais devoir aller chercher le mec qui l'a buté, mais bon, enfin, buter la bestiole qui l'a buté. Celui qui défie la nature sera dévoré. Ça avait l'air plus émouvant dans ma tête. Bah c'est Fata qui a perdu une jambe déjà de base. Une jambe et un bras. Bah je sais pas, c'est pas une leçon que t'aurais déjà dû tirer à la base. J'ai une chier de quête. Salut les mecs. Ah oui. Salut, si tu sais pas quoi faire de tes 10 doigts, tu pourrais m'aider. Le gun est épique. Ça te dit de résoudre une affaire de meurtre? Ouais. Je suis le marshal de la région. Salut le marshal. Des quadruplés caniveaux à tirer sur ce garçon-là. Tu seras mon assistant pour la durée de l'enquête. Je t'écoute. Va chez Moxie et Zed. Interroge les témoins et découvre lequel de ces salopards a appuyé sur la gâchette. Sinon, je devrais tous les pendre et j'ai vraiment pas que ça à faire. Interroger le marshal. Attends, commencez par là. Il y a eu un coup de feu il y a 2 heures. Naturellement, j'ai fait comme si j'avais rien entendu jusqu'à ce qu'on m'appelle à l'aide. J'ai trouvé ce garçon baignant dans son sang, une seule balle dans la gorge. Et j'ai vu s'enfuir un des garçons caniveaux. Ça élimine celui avec le lance-roquette. Hein. Ça élimine quand même lui avec son lance-roquette. Hein. Je veux dire, s'il avait une balle de lance-roquette, ça n'existe pas déjà. Quand tu penses meurtre, pense munitions, Marcus. Hey, j'ai du boulot pour toi. Et je Jack prends. Jack a réussi à faire sauter mon coffre personnel dans ma boutique et le voler. Mon trésor le plus précieux est peut-être entre les mains d'un bandit minable. Retourne à ce trou de la taille d'une ville et récupère mon coffre. D'accord, j'y penserai. Si vous pouvez vous tenir tranquille, j'ai un travail à vous confier. Lors d'une sévère crise de paranoïa, j'ai caché mes notes sur l'ouverture de l'arche, mais j'ai aussitôt oublié où. Je me morfonds sur ma bêtise. Allez donc récupérer mes journaux pour moi. La ville est sauve, pour l'instant. Mais qu'est-ce qui va arriver si... Ah bien, t'es vivant. Ça, ouais, je suis vivant. Ça veut dire qu'il est vraiment... Ouais, pardon. On serait tous morts si t'avais pas été là. Ouais, je sais. Il nous faut un plan. Jack est à 2 doigts de déterrer le guerrier, et on sait toujours pas où il cache la clé de l'arche. Mince alors. Quoi ? Bordel, on t'avait dit de plus jamais nous contacter ! 2 secondes. Ça, il va falloir que je transvase ça, en fait, sur ça. Et je sais plus combien ça va me coûter. Ok. Pas grave. Je vous en prie, écoutez-moi. Oui, écoutons donc cette intelligence artificielle débile qui a essayé de tout... Grosso modo, à un moment, il va y avoir un moment où je vais devoir passer de tirer et slasher à perma-slasher. Continue. La clé se charge naturellement tous les 2 siècles. Jack est patient, mais il a ses limites. Il utilise mes pouvoirs pour charger la clé de force à l'aide d'Iridium. Si vous me trouvez, vous trouvez la clé de l'arche. La clé de l'arche se trouve au cœur de mon IA, en haut de Thousand Cuts. Elle est protégée par 3 systèmes de défense impénétrables. Le premier est un champ d'énergie dissuasive qui détruit toute entité non affiliée à Hyperion qui le traverse. Champ d'énergie dissuasive? Genre un mur de la mort? C'est un champ d'énergie thermosonique pur, conçu pour désintégrer tout personnel non autorisé. Ouais, c'est un mur de la mort, quoi. Puis vient le second système de défense. Un bunker équipé de l'armement le plus sophistiqué qu'Hyperion possède. J'ai un mauvais pressentiment. Après le bunker, vous devrez franchir le 3e système. Une porte qui ne s'ouvre que pour le beau Jack. J'ai un très mauvais pressentiment. Ça sera votre seule chance de voler la clé de l'arche et d'empêcher Jack de contrôler le guerrier. Le temps presse, décidez-vous. Je vous demande de me promettre une seule chose. Quoi qu'il arrive, Lilith ne devra pas pénétrer dans ma salle. C'est quoi encore ce coup tordu? Si elle nous tendait un piège, elle nous aurait laissé plus d'espoir de réussir. Si c'est pour détruire cette saleté, j'en suis. Piège ou pas? Si quelqu'un doit vraiment la détruire, ça doit être toi. Va à la réserve d'Hyperion. Je crois savoir comment déjouer le 1er système.
Oui, chef, j'ai bien dit chef. Encore ? Ça me désole de solliciter votre aide. Certains, qui ne sont pas moi, considèrent les expérimentations sur le slag comme immorales. Certains ne voudraient pas vous proposer une somme considérable pour me rapporter des résultats d'expériences menées dans la réserve d'Hyperion parce qu'ils pensent que ces données pourraient être utiles face à l'insurrection fomentée par les distributeurs automatiques. Certains sont stupides. De nouvelles missions, parfaites pour joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire. Je suis sorti de la chaîne de production il y a tout juste 7 ans. Rends-moi service et distribue ces invitations pour ma fête stellaire. Tu veux bien? Et vite, on ne va pas tarder à commencer. Oh putain, il est pas invité à lui, je suis con. Ah ok, alors on se dépêche. Clappy fait la louba. Cours sur pattes, bois crevé. Putain. Elle a dégueulassé un de mes autolocs. Et... Ah. Ça, sauf les nanas que j'essaye de sauter quand je suis bourré. Il se cache dans le territoire des rôdeurs. Oh. Traque-le. C'est bon, t'as fini? Le compte à rebours a pas commencé? Ok. Le mec qu'on vient d'entendre... Il y a quelques années de ça, j'ai remporté 2 prix dans l'Underdome de Moxie. Il fait aussi la voix du... Et Moxie elle-même. C'est la voix du présentateur dans Wakfu de Boofball. Moi je m'en fous de ces flingues de concours. Mais s'il t'intéresse, d'avoir Carson dans le Dust. Ok. Mais non! L'entrée est entrée ici en courant il y a 2 heures. Un chasseur de l'arche! Je dis que je pouvais rien promettre et il est devenu méchant. Alors j'ai sorti Ruby et je lui ai balancé 3 pruneaux. Son bouclier a arrêté les 2 premiers, mais le 3e, il l'a dégusté. Personne ne me menace dans mon bar. Donc ce serait le mec avec l'urgence enquête là pour le coup? Oh, désolé, je suis pris. Mais embrasse Claptrap de ma part. Uniquement, je veux dire. Je voudrais pas qu'il se fasse des idées. À moins qu'ils sont plusieurs à avoir un bouclier. Ils sont 3 à avoir un... Non. 2 à avoir un bouclier. Ils sont 2 à avoir un bouclier, donc ce serait plutôt... Et puis ils sont... Voilà, il y en a que 2 qui l'ont bouffé, donc ça peut être plus que Arc, normalement. Mais bon. Encore que, j'interroge quelqu'un au passage. Hop là. Non. Enculé. La fête va commencer. J'arrive. J'ai de la pizza et des serpentins. Fais péter la sono et que la fête commence. Très bien. Les invités ne devraient plus tarder. Ah. La mission que je t'ai confiée avance bien, Spire. Ah, oh, je dois participer pendant 2 minutes. Je vais me cacher dans un coin. Tout le faites monde comme... a dû s'égarer en route. Cet endroit n'est pas facile à trouver. Je veux dire que sur une littéralement une île volante, une ville flottante, et pas une île flottante et une ville volante. Y a personne. Ouais, il y a personne. Hein. T'as tellement d'amis. Il y a de la pizza si tu as faim. La pizza est un peu froide. Ouais. Ah, j'oubliais, je n'ai pas de poumon. Inspire, peux-tu souffler dans cette chose? Ça aiguera peut-être un peu la fête. Ah, compte sur moi, je vais souffler dedans. Ouais. Ouais. Tu t'amuses bien? Non. La mission que je t'ai confiée avance bien, Spire? Non plus. Soupir. Soupir.
Allez, 20 secondes. Je crois qu'il est temps de tout remballer. Merci. Merci d'avoir assisté à ma fête, Sbire. J'ai vu trop grand pour la pizza. Ramène-en chez toi, si tu veux. Ouais. Je prends tous les paquets. Merci beaucoup.